Salut à tous, c'est Baisanka. Donc on se retrouve pour un nouveau véhicule du DLC Été à Los Santos. C'est la dernière qu'il y a sur le Legendary Motors. On a eu trois super sportives. La dernière, celle-ci, c'est une sportive, mais la vérité, elle est magnifique. C'est la Inverto Coquette Dio. Et la vérité, l'avant, l'arrière de la caisse est magnifique. Elle n'est pas encore passée au LS Custom. Et regardez comment elle est agressive. Il y a des angles de tous les côtés, grosse aération sur le côté. Franchement, elle est magnifique. Du coup, je vous montre rapidement sur le site. Il y aura tous les autres véhicules qui sont déjà présentés sur la chaîne, en tout cas pour ceux qui sont ici. Elle est juste là. Inverto Coquette Dedi. Ah putain, je croyais que c'était un i. Ah, c'est pas Dio, c'est D10, du coup, qui est juste là. 1 510 000 $. Ce qui est pas donné, mais du coup, comparé aux autres véhicules que je vous ai présentés tout à l'heure, ça va, c'est raisonnable. Et franchement, elle est magnifique. Je vous l'ai dit, hein, c'est une sportive, celle-ci, c'est pas une super sportive. Elle a de la gueule, mais au niveau de la vitesse, on va voir avec le custom ce que ça donne. Oui, accélération, c'est pas top. Vitesse max, j'ai pas pu encore tester. Mais l'arrière, gros carré comme ça, franchement, c'est stylé, je trouve. Pareil, dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule dans les commentaires. Et là, on voit le custom. Du coup, Inverto Coquette D10. La seule sportive, a priori, au Los Santos, au LS Custom. Au LS Custom, qu'est-ce que je dis, moi? Au Legendary Motors de ce DLC. Du coup, le bladage à fond, les freins à fond, pare-choc. Pare-choc, hein, généralement. Ouais, voilà. Ceux qui sont en bas, c'est les plus chers, mais c'est aussi les plus beaux. Bam, bam, bam. On va mettre diffuseur tuning. Ensuite, moteur à fond. Échappement. Voilà, les 4 petits pots. Ok, les 2 au milieu. Les 4, un au-dessus de l'autre. Allez, hein. Diffuseur performance. Calandre. Pas mal. Ah, y a vraiment pas. Ah ouais. Ah, ça peut faire stylé, un petit rappel d'une autre couleur. Éclairage. Phare xénon. Motif. Allez, s'il te plaît, des beaux motifs. Ok. Les phares de la voiture, là, les feux, ils sont magnifiques aussi. Alors, attendez voir. Ça fait une petite tête comme ça, regarde. Tu trouves pas? Avec la bouche et tout, le pare-choc que j'ai rajouté. Double bande blanche, une verte. Ah, pas mal. Ouais, ouais, ouais. Patriote. Oh, en couleur, franchement stylé. Camouflage de course, magnifique. Oh. Chasseur Pégasi. Oh, elle fait mal. Et du coup, au niveau des peintures, alors les plaques, on va mettre en noir. Oh, elle fait mal. Peinture, couleur principale. Ok. Là, si je mets en noir comme ça, ça fait stylé. Hein. La couleur secondaire, c'est quoi? Ok, c'est les jantes. Là, un petit rappel de rouge, genre pour aller avec. Non? Soit un rappel de rouge, soit un rappel de blanc. Pour aller avec le petit motif. J'essaie juste de chercher le blanc pour voir un peu ce que ça donne. Ils sont tout en bas normalement, ouais. Blanc. Allez, rouge. Et finition, du coup, l'intérieur. Ouais, c'est propre comme ça. Et bah, elle est pas dégueulasse. Le toit. Oh ouais, petite décapotable. Oh là là, toit carbone. Oh non, sans toit, allez, vas-y. Prise d'air. Allez hop, en carbone. Bas de caisse. Ouais, ceux-là ils sont stylés. Comme ça, ça suit un peu le camouflage et met un peu de carbone aussi. L'aileron. Ah ben elle est monstrueuse. Hein. Franchement, je la kiffe. Ah, pas, non, on va pas mettre un truc trop gros, genre. Petite lame en carbone, y'a pas? Voilà. Voilà, léger comme ça. Par soleil. En carbone. Suspension rabaissée. Transmission, turbo, les roues on verra après, les vitres à fond, je change jamais les jantes, je laisse toujours d'origine, par contre elle est rabaissée deux fois, hein. Le pneu il touche presque la carrosserie, et franchement, moi je la kiffe, dites-moi ce que vous pensez, et ensuite du coup, petite note dans les commentaires, le petit like si la vidéo vous a plu, bon elle est plus rapide, ce qui est bien, c'est... Oh mais le bruit!
contre, elle glisse pas mal. Ah, ça fait un bon bruit, je trouve, quand même. Hein. Oh non. Non. Laissez-moi. Elle est propre, elle est belle. Elle est magnifique, elle est trop agressive. Mais elle manque un peu de vitesse. Après, pour des courses en sportive, pourquoi pas. Pour chill dans la ville. Zone est tranquille, mais... Pour les courses, je sais pas. En tout cas, elle est magnifique. Puis voilà, les potes, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, c'était la dernière, le dernier véhicule du Legendary Motors. Ensuite, on va enchaîner sur les véhicules du Beniz. Et on verra ensuite pour tout ce qui est mission. Moi, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à tous bon game. Et ciao tout le monde.